champion tout terrain, à faire de Celouda et à accepter sa défaite là, des précisions à préciser pour que ça rentre dans vos oreilles, si c'est à gauche bas ou bien si c'est à droite bas, pour que ça puisse sortir de l'autre côté. Affaire de précision, parce que vous êtes assis, c'est-à-dire comme les oiseaux là, les pigeons. Vous savez, les pigeons aiment manger les cacahuètes. Vous êtes assis comme les pigeons qui ont faim, qui veulent manger des cacahuètes, cacahuètes, cacahuètes. Vous cherchez seulement un seul mot, un seul truc à dire sur le monsieur. Un seul mot à dire sur le monsieur. Vous ne comprenez pas le français. Vous ne comprenez pas le sens des mots. Seulement, vous voulez que les gens pensent que ce que vous vous dites, c'est ce qui est la réalité. C'est dommage. C'est dommage, très très dommage. Très très dommage. Très très dommage. Donc, ce que je vais vous dire sur cette vidéo, partagez. Vous êtes pressé pour diviser notre parti. Vous êtes pressé, vous êtes chaud, chaud, chaud. Les RPJistes là, on vous a vu, vous êtes en train de danser. Les faux médias guinéens là, qui disent là, ah, Celou a accepté sa défaite. Il a fini de parler, il a fini de parler. Vous ne comprenez pas le français. Lui là, lui que vous voyez là. Et là, c'est l'Oudalin que vous voyez là. Vous pensez que lui, c'est un malhonnête? Vous pensez que lui, c'est un malhonnête? Ou bien lui, c'est un menteur? C'est un homme sincère, un homme honnête. Un homme sincère, honnête. Lui, quand on lui pose la question, il ne va pas faire... Non. Lui, quand on lui pose la question... Il ne va pas faire ou réfléchir, chercher des mensonges à raconter aux gens. C'est un homme sincère. Sa réponse pour vous dire que si son parti le porte confiance pour 2026, il sera candidat. Ben oui, en tant que président ou non-président, il sera candidat. Ça ne veut en aucun cas dire qu'il a accepté sa défaite. Mais vous êtes là assis comme des pigeons qui cherchent des cacahuètes à croquer. Vous n'avez pas d'infos. Vous cherchez des petits trucs comme ça là à manger. Vous n'avez même pas de débat. C'est-à-dire les médias guinéens, vous n'avez pas des médias pro-RPGistes, vous n'avez pas de débat. Vous n'avez pas de programme. On connaît comment ça se passe avec vous. On sait comment ça se passe avec vous. Le soir ou vers le matin, des individus vous appellent pour vous dire « Ah, il y a un créneau là, tant. » Il donne 1 million, il donne 500 000. Vous partez communiquer sur ça. Banalement comme ça là, vous partez communiquer sur ça. Il a répondu à une question honnêtement, sincèrement, qu'il a été posée par la dame. Et vous avez vu, il y a des gens qui n'ont même pas écouté cette interview du début jusqu'à la fin. Ils ont seulement écouté la partie de cette question-là. Après, ils sont là, « Oui, il a accepté sa défaite. Oui, il a accepté sa défaite. » Vous faites rire, quoi. Vous êtes drôle. Vous faites rire, go. Vous êtes drôle. Hey, nous, notre président-là, c'est le vrai président qui a été élu. C'est lui qui a été élu par la population guinéenne. Donc, laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Mais non, mais hé, dans le pays là, vous... Non, mais non, vous êtes trop bizarre, quoi. Vous avez dit qu'il ne sera jamais président. Que le peuple ne peut pas être président en Guinée. Que le peuple, c'est un esclave, il ne peut pas gouverner la Guinée. Mais laissez-le tranquille. Laissez-le. Arrêtez de bloquer. Arrêtez de, c'est-à-dire de serrer la vie. Parce que le but aujourd'hui, c'est de faire décourager. Décourager. Vous avez vu, dans l'interview, le président, il a dit qu'il a toujours, cette notoriété derrière lui. Cette grande notoriété derrière lui. On lui porte confiance
et on lui portera confiance. Nous qui venons vous parler là, là. C'est-à-dire, on est des fils dignes. Je ne parle pas des autres. Moi, en tout cas, on sera derrière lui jusqu'à la fin de notre vie. C'est quand Dieu, le jour que Dieu décidera, c'est ça, c'est ça. Mais jamais on l'abandonnera. Maintenant, l'option, la dernière option maintenant, c'est de diviser, faire décourager ce grand parti, tous ces partisans, sympathisants qui sont derrière UFDG. C'est de vous faire décourager. De vous faire décourager. On vous a dit de faire attention. Et partagez le live dans les groupes. Partagez le live dans les groupes. Tant que nous serons à l'UFDG, les magouilles, les pièges pour divertir, c'est-à-dire pour faire vaguer les gens sur autre chose, là, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Parce que nous, on connaît tout ça là. Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Regardez comment est notre pays aujourd'hui. Regardez comment est notre pays aujourd'hui. Combien de jeunes ont été tués sur l'axe? Plus de 300 jeunes ont été tués sur l'axe. Est-ce qu'il y a eu des dispositions, c'est-à-dire des dispositions pour sécuriser la population là? Maintenant, les bandits sortent pour tuer les gens. On étouffe toute une population d'un quartier que parce qu'il y a un policier qui est mort. Donc, c'est comme ça, quoi. Tous les 300 jeunes qui sont morts sur l'axe, là, ce ne sont pas des êtres humains, quoi. Ce ne sont pas des Guinéens, quoi. Pour eux, il n'y a pas eu de dispositif, quoi. Pour eux, c'est des moutons, quoi. Comme vous le dites souvent. Ils sont morts et puis c'est fini, c'est enterré. Maintenant, il y a un seul policier qui est mort. On dit qu'il y a des gros dispositifs qu'on va faire sortir. Mais vous nous prenez pour qui à la fin dans ce pays? Vous nous prenez pour qui? Notre président, il n'a pas reconnu sa défaite. Il reste derrière Dieu. Derrière Dieu et son parti. C'est tout, hein? C'est tout. Parce que tout ce que l'homme fait là, on le fait entre nous. Mais il y a Dieu qui est là. Dieu qui est là, comment il va accepter ce qu'il a remporté? Comment? Vous n'entendrez jamais, en tout cas, seul loup ne vous dira jamais qu'il accepte sa défaite de cette élection du 18 octobre 2020. Et vous ne l'entendrez jamais le dire. Jamais. Si c'est ce que vous voulez entendre, il ne le vous dira jamais. Moi, je vous dis, hein, si vous n'êtes pas sûr, asseyez-vous, observez. Il ne vous le dira jamais. Jamais. Mais il veut la paix pour son pays. Il veut la paix pour son pays. Il ne veut pas se salir les mains. Vous pensez que tous ces meurtres des jeunes-là, ça ne le choque pas? Ça ne le choque pas? Ça lui fait mal, très très mal. De son plus profond, ça le fait mal. Oui. Ça le fait mal. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent nous faire? C'est de passer par les médias internationaux, piéger notre président pour dire que ah, c'est lui, il a accepté sa défaite. C'est lui, il a accepté sa défaite. Pour nous décourager. Pour nous décourager. Pour nous décourager. Si vous vous découragez, si vous vous découragez, en tout cas, tous nos partisans, sympathisants là, je sais que vous êtes avec nous pour servir, unir et servir la Guinée. Pas pour votre intérêt, pas pour ce que les gens racontent, pas parce que vous voulez gouverner le pays, c'est pour faire développer ce pays. Ça, je le sais. C'est pourquoi nous sommes engagés à fond. On veut tous le bien-être de ce beau pays qui nous a vu naître, qui nous a vu grandir, qui a tant souffert aujourd'hui. Et un technocrate, un homme honnête, sincère, vous pensez que lui, il sait fabriquer des mensonges comme d'autres le fabriquent comme des conteneurs? Vous pensez que lui, c'est comme ça? Dès que tu lui poses la question, là, tout de suite, là, paf, il a un mensonge à créer, là. Il crée un mensonge comme téléphone mis à jour. Vous pensez que c'est ça? Comme les autres le font?
Lui, c'est un homme sincère, honnête. Sincère, honnête. C'est pourquoi je suis prêt même à mourir pour lui. Moi, Djibril, je suis prêt même à mourir pour lui. Parce que c'est pour sa sincérité que j'ai décidé de le suivre. C'est tout, hein? Rien d'autre. Même quand tu le vois, il n'osera même pas te mentir. Donc la dame lui a posé la question. Il a répondu sincèrement, honnêtement. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Hein? Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Vous voulez quoi? Il dit, non, non, je ne serai pas candidat. Non? Mais non. S'il avait dit aussi qu'il ne serait pas candidat, ça c'est un autre débat que vous allez nous faire sortir ici. Donc, pour vous éclaircir, notre président nous charge de vous dire qu'il n'a jamais dit ça. Qu'il n'a jamais dit. C'est lui qui a remporté ces élections. C'est lui qui a remporté ces élections. Tout le monde le sait. De la tête du serpent jusqu'à la queue du serpent, qui a réellement gagné. C'est tout. Vous dites que le peuple ne peut pas gouverner, le peuple ne peut pas être président. Mais laissez le peuple en paix. Pourquoi les étouffer la vie? Laissez-les en paix. C'est tout. Le truc a été créé, le pays est gangréné d'ethnocentrisme et de trucs. Qu'est-ce que le peuple a fait? Juste, il veut le pouvoir pour faire le changement dans son pays. Pourquoi on ne donnera pas le pouvoir au peuple pour voir ce qu'il va faire? C'est tout. Si vous êtes sûr de vous, quand même, vous n'allez pas bloquer aujourd'hui notre première dame à l'aéroport, une brave femme. Vous n'allez pas la bloquer. Non, notre première dame, c'est pourquoi je la surnomme, je vais la surnommer. Je l'ai surnommée à partir d'aujourd'hui, quand j'étais assis, je l'ai surnommée la lionne. C'est la lionne. C'est une lionne. Elle n'abandonnera jamais. Aga Alimatou. Dites ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. En tout cas, nous, là, la malchance que vous avez eue, nous avons choisi le bon camp contre vous. Ah, ça va vous coûter de la kininde. Ça va vous coûter de la kinine. On ne vous insultera pas. On ne vous manquera pas de respect. Mais on vous dira les bêtes. Ben dans ben. Ouais. Clair et net. La lionne a été bloquée aujourd'hui à l'aéroport. Parce que d'aucuns pensent que quand la lionne va sortir là, c'est pour aller chercher des panthères pour faire venir sur la Guinée. Après une longue campagne électorale, elle est fatiguée. Elle n'a pas de repos. Tous les jours, quand vous partez à Dixine, il y a des gens là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, partez aujourd'hui à Dixine. Le président n'a pas de repos, la première dame n'a pas de repos. Et le président n'a pas de repos, la première dame n'a pas de repos. Ils ne dorment même pas bien. Moi, je le sais. Ils ne dorment même pas bien. Pour qu'elle parte se reposer, vous ne voulez pas que la lionne se repose? Vous ne voulez pas? Hé, hey, soyez sûr d'une seule chose là. Nous, en tout cas, ce que moi j'ai vu à l'UFDG, ce n'est pas un parti machiavélique. Ce n'est pas un parti terroriste. Ce n'est pas un parti de haine, comme ce que beaucoup pensent. C'est un parti de paix. Beaucoup de paix. Je vous dis un secret aujourd'hui. Je vous dis un secret. Ce que beaucoup ne savent pas. Venez à l'UFDG. Venez, venez, venez dans notre parti. Je vous le jure. Au nom de tous ceux qui m'est cher. Chez le président Selou. Venez à l'UFDG. Le sousou est plus parlé là-bas que le peuple, le poulard. Le sousou est plus... En tout cas, devant moi. Le sousou est plus parlé là-bas que le poulard. Tous les gens qui sont là-bas, là, ils parlent tous sous-sous. C'est ce qu'ils ont fait. Ils nous ont retardés. Sinon, nous, 2015, là, ça ne va pas échouer.
Mais comme les manigances là, ça, ceci là, on réussit, tout le monde veut manger. Le mangement de la fin du film là, on va les man laisser manger le mangement de la fin du film parce que ça va, ils n'ont qu'à partir prendre ça, mais ils vont pas envoyer la Guinée avec eux quand même. Ils n'ont qu'à manger, mais quand même, ils vont pas envoyer la Guinée avec eux. Ça, c'est sûr et certain. Parce que, au temps du feu général, là, ça n'a compté ici. Les gens ont bouffé. Ils n'ont pas envoyé la Guinée avec eux. Au temps de Dadis et de Konaté, les gens ont bouffé. Ils n'ont pas envoyé la Guinée avec eux. Hein? Ceci-là aussi, faut bouffer, mais vous n'allez pas envoyer la Guinée avec vous. Ça, c'est sûr et certain. Laissez la lionne et le lion d'aller se reposer parce qu'ils ont fait, regardez, toute ce long campagne là, tout ce long campagne, vous ne voulez pas qu'ils quittent le pays? Hein? Vous ne voulez pas? Maintenant, si vous dites que vous êtes des boss, c'est vous qui pouvez gouverner le pays, ceux que vous dites qu'ils ne pourront jamais gouverner le pays, pourquoi vous les empêchez de faire si ce n'est pas par crainte? Si ce n'est pas par crainte. Hey, l'UFDG n'aura jamais le pouvoir en Guinée par les armes. Selloudalen n'a jamais perdu les élections en Guinée depuis 2010. Vous le savez. Ce n'est pas des trucs ramassés dans la poubelle que je suis en train de vous dire. Hélène Selloudalen n'a jamais perdu les élections en Guinée. Il a perdu une seule élection. Ça, lui-même, il reconnaît ça. Une seule élection. Parce que cette élection-là, les Guinéens ont été amadoués de 2015. Les Guinéens ont été amadoués à faire le Kalita là. Parce que tout le monde, ça faisait longtemps, les gens ne voyaient pas le courant, tout, tout, tout. Boum! Les élections étaient au mois d'octobre. Début juin, là, ils ont envoyé le courant. Le courant n'est pas, ne se coupait pas. Ça n'allait pas se couper. Ça ne se coupait pas. Depuis juin. Tout le monde a dit, hey, Kalita, oui, Anoma. Tout le monde a vu ça. Donc, les gens se sont dit quoi en 2015? Les gens se sont dit, lui, il a envoyé le courant. Lui, il a envoyé le courant. On va le laisser. Il peut faire quelque chose. Et pourtant, c'était des mazouts payés pour des groupes. C'est-à-dire lancer Kalita avant son lancement. Ils ont fait des sacrifices. Bon, comme on le dit, pour avoir le pouvoir, il faut faire de gros sacrifices. Ils ont fait de gros sacrifices. Ils ont laissé leur mangement quelques mois. Pendant, je sais pas, 6 mois, il n'y a pas eu de coupure en Guinée. C'est pourquoi les gens ont voté pour un second mandat. C'est pour ça. Hein. Ce n'est pas pour autre chose. C'est pour ça. C'est tout. Hein. À part ça, rien. Sinon, les gens étaient dans la galère. Les gens étaient dans la souffrance, les gens étaient dans tout. Mais comme il y avait le courant, les gens, ils se sont dit quoi? Lui, il a envoyé le courant 24 heures sur 24. C'est cette élection que la Guinée a voté pour le monsieur. Et notre président, il a reconnu sa défaite. Mais de 2010, 2020, vous savez qui a gagné? C'est tout. Et les médias guinéens, là, ramassés dans la poubelle, là, vous n'avez même pas de. C'est-à-dire, vous n'avez pas de. Comment dirais-je ça? De planning. Vous n'en avez pas. Vous improvisez. Vous n'en avez pas. Si l'autre, là, on vous appelle de là-bas, on vous fait dépôt orange, ils m'ont dit de 2 millions. Vous sortez. C'est tout. Hein? C'est tout. Maintenant, nous, on va vous dire quoi? On continue le combat légalement, pacifiquement. Notre président, la division qu'ils veulent semer dans notre parti pour qu'on laisse ces loups. Quand on laisse ces loups aujourd'hui, vous voyez qui pour faire avancer l'UFDG? Mais attendez, je vais vous dire une vérité ici. Il y a certaines choses, on ne peut pas tout vous dire sur les réseaux sociaux. Mais réfléchissez à cela. Aujourd'hui en Guinée,
Vous voyez quel parti politique fiable, quel parti politique vous avez vu fiable que vous pouvez mettre devant UFDG? Réfléchissez, pensez à ça. Vous avez vu aujourd'hui en Guinée quel parti politique fiable d'opposition que vous pouvez mettre devant UFDG? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tous les autres là, c'est des caméléons, des changer couleur, c'est des caméléons, des changer couleur, des caméléons. Les grands, en tout cas les grands que vous connaissez là, c'est les changer couleur. En tout cas, pour celui que moi j'étais, c'est un changer couleur. Il a été haut représentant du chef de l'État qui l'a combattu. Regardez-moi des conneries comme ça. Et puis vous pensez que nous on va continuer à être dans les trucs de bizarrerie là? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais. Laissez notre lionne, notre première dame, ma première dame, Bérengi, Boyefani, Soso Guiné, laissez-la aller se reposer tranquille. Elle est fatiguée. Elle va reprendre des forces pour revenir plus forte encore. Parce que c'est elle la vraie première dame. En tout cas pour moi, hein. Que tu l'acceptes ou pas, ça c'est pour moi. C'est mon opinion, c'est mon avis. Et c'est ce qui a été fait. Donc, notre président, il a répondu à la question posée. Honnêtement, sincèrement. Mais il n'a jamais dit qu'il reconnaît sa défaite. Il a dit que si son parti lui porte confiance encore pour 2026, il sera candidat. Vous voulez qu'il dise quoi? Qu'il dise... Ou bien qu'il parle en chinois. Vous n'avez rien à dire, quoi. Rien à dire. La seule chose à retenir dans cette vidéo, que j'aimerais que tout le monde retienne, ne s'aimez pas dans la division. L'objectif aujourd'hui, c'est de nous décourager de laisser UFDG. L'objectif aujourd'hui, c'est de décourager cette forte communauté qui soutient l'UFDG. Toutes nos fédérations qui sont dans le monde, là, n'en voulez pas à notre président. Il est seulement trop sincère, trop honnête. Et ça, il ne peut pas changer ça. Il est né comme ça. Il a reçu cette éducation comme ça. Il ne peut pas fabriquer des mensonges comme une mise à jour, comme d'autres le font. Il ne peut pas. Il est né comme ça. Mais cela ne veut pas dire qu'il dit qu'il a accepté sa défaite. Il ne vous le dira jamais. Parce qu'on sait que c'est lui qui a gagné les élections. Tout le monde le sait. Yakolonka, tonton, itonamatofineki. Ronori, tu es fâché. Mais tu sais, c'est lui qui a gagné. Alors, où est le problème? Où est le problème? Laissez les gens là vivre tranquille. Les gens que vous dites la mouton tout le temps, esclave tout le temps. Nous là, c'est nos parents. Moi, je suis Fulbe. Hein? Minko Polo. Faut dire tout ce que tu veux. Minko Polo est fier de l'être. Parce que pour le coquiné. Hein? Pour le coquiné, ka. Awa minko pullo. Mi soutenama pullo. Ha mi mai. Ça c'est clair et net. Clair et net. Que tu veuilles l'entendre ou pas. Tant pis. Mais ce qui est sûr et certain, tout ce qui est en train de se tralalaler, ou je se tralalala dans les coulisses. Dieu voit et Dieu sait tout. Et Dieu n'oublie rien et il ne ratera rien, même un petit virgule. Le karma de Dieu est fort. Le karma de Dieu, il est très fort. Demandez aux plus grands bandits, les bandits. Vous savez, les voleurs, là, les bandits. Ils sont tellement bêtes, les bandits, les voleurs. Quand les bandits sortent pour voler, là, ils vont voler une fois, ils volent deux fois, ils volent trois fois. Tout le temps, là, ils volent. Ça leur réussit. Ils se disent, ah bon, moi, Dieu est pour moi. Hein. Moi, je suis tout le temps là, je vole, je gagne. Tout ça, là, il fait la belle vie, il fait son show. Les grands bandits, ils volent. Partout où ils partent, ils volent, ça leur réussit. Un jour où ils ne s'attendent pas, un jour
où il minimise comme ça, là, paf, Dieu l'humilie. C'est-à-dire, Dieu l'humilie totalement, le met à terre. C'est le karma de Dieu. Tous les vols qu'il a commis là, tous les banditismes qu'il a commis là, tous les petits trucs là, depuis qu'il a commencé, Dieu va lui donner ça en un seul jour, en un seul heure et en une seule seconde. Paf! C'est comme ça le karma de Dieu. C'est fort de... Si tu ne crois pas, nous on connaît un peu le Coran. Va demander tes karamoko qui font des zikr pour toi là. Demande-les. C'est quoi Hakka? Hein? Le karma de Dieu. Demande-les. Va les demander. Hein? Misutena et my gonga. UFDG ko gonga. Kona hala hala. Kona fenare. Misutena et my gonga. Ha mi mae. Pafada. C'est comme ça on dit. Donc, laissez notre président en paix et laissez notre lionne, maman nationale, d'aller se reposer. Elle est fatiguée. Tous les jours, les gens viennent là-bas. Tous les jours, tous les gens qui viennent, faut qu'elle donne transport, faut qu'elle donne transport, faut qu'elle donne transport. Elle est fatiguée. Vraiment. C'est pas parce qu'elle refuse. Elle ne refusera pas parce qu'elle est comme ça, gentille. Et le jour que celle-là va devenir première dame en Guinée. Non, tous les Guinéens, il faut, le jour qu'elle elle va devenir première dame, son mari président, levez-vous danser pendant 365 jours. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. Parce que je sais, je vis avec eux. Je les connais maintenant. C'est quel genre de personnes ils sont. Dites ce que vous voulez. Pensez comme vous voulez. Mais la réalité, elle est là. Ce n'est pas des gens méchants. Ce n'est pas des gens diaboliques comme on est en train de les diaboliser. Venez à UFDG. Venez à UFDG. Sosué ouf à UFDG. Manike, aliena à UFDG. Aliena, aliena. Hein? Aliena. Aliena. Venez à UFDG. Ce n'est pas un parti ethnocentrique. Ce n'est pas un parti communautaire. C'est un parti pour la Guinée, pour unir et servir la Guinée. C'est tout, hein? C'est tout. Hein? On vous promet ça. Ah oui. Notre président, il sera le premier, c'est-à-dire le meilleur président de l'existence de la Guinée. Ça, on vous promet ça. On vous promet ça. On vous promet ça. C'est vous-même qui allez lui dire de faire un deuxième mandat. C'est vous-même, la population, qui allez lui dire, qui va lui dire de faire un deuxième mandat. Vous-même. Tellement que c'est un homme honnête. Ce n'est pas un menteur. Il ne ment pas. Il ne peut pas mentir. Comment il va fabriquer mensonge pour dire à la dame? Vous voulez qu'il ment? Hein? Vous voulez qu'il ment? Dites-moi que vous voulez qu'il ment. Hein? Je vous ai dit dans une de mes vidéos ici. Si Dieu fait Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Cette fois, je ne veux pas le dire. Si Dieu fait que Ilan Selou ne gagne pas le pouvoir en Guinée, c'est que le Guinéen ne mérite pas Ilan Selou. Le Guinéen, si Dieu fait ça, c'est que le Guinéen ne mérite pas Ilan Selou. Parce qu'il est trop bon. Il est trop bon pour diriger ce pays. Vous êtes habitué à des... Et daran, 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 daran. C'est tout. Donc, de grâce, laissez notre président en paix. Il est fatigué. Et nos cadres sont en prison. Nos fiefs sont assiégés. Les gens sont menacés du matin, midi, soir. Et vous voulez dire que c'est vous qui gouvernez. C'est bizarre, hein? Ah ouais, drôle de gouvernement. Hein? C'est bizarre. Ah ouais. Moi, je pensais qu'à cette étape de notre pays, c'est de chercher à réconcilier la population, les peuples, les citoyens lambda. Mais c'est de assiéger encore des quartiers. Bon, c'est incroyable. Hein? C'est incroyable.
C'est incroyable. Panier de la ménagère. Réconciliez les gens, s'il vous plaît. Réconciliez les gens. Réconciliez les gens. C'est ça un bon père de famille. Ce n'est pas s'acharner sur une communauté, ni s'acharner sur un parti pour les lapider. Mais vous ne pourrez pas lapider ce grand parti, parce que ce n'est pas un parti, c'est une famille. Et ensemble, cette famille est plus forte. Je vous dis et vous redis encore, tous les militants et sympathisants de l'UFDG, restez derrière notre président. Ne vous découragez pas. Les leaders d'opinion qui font des vidéos, tralalala, qui parlent n'importe comment là, vous pensez que faire politique là, c'est venir seulement parler. C'est venir seulement parler comme ça dans le vide. Arrêtez. Ne vous découragez pas. Restez, restons derrière notre président. Le but, c'est de tuer UFDG comme ils ont tué les autres partis. Personne n'a confiance aux autres partis. Vous avez confiance à quel parti politique ici, d'opposition? Mettez-le en commentaire. Vous avez confiance en quel parti politique en Guinée ici? Mettez-le en commentaire. Hein? C'est tous des caméléons, des changements de couleur. Des changements de couleur. Tant que nous, on sera à l'UFDG, je vous ai dit, le couteau suisse de l'UFDG. Couteau suisse. On fera venir du monde à l'UFDG. On montrera la réalité de ce qui existe dans l'UFDG. Ce n'est pas le communautarisme. Ce n'est pas le communautarisme. C'est la Guinée qui est dans l'UFDG. La Guinée. Oui. La Guinée qui est dans l'UFDG. Et tout le monde viendra dans l'UFDG. Oui. Toute la Guinée viendra dans l'UFDG. Notre président, c'est un homme honnête, sincère, qui ne sait pas fabriquer ou inventer des mensonges. Quand tu le vois, tu ne peux même pas me le comparer. Un homme humble, simple. Vous voulez qu'il dise quoi? Hein? Les médias ramassés dans la poubelle comme ça, là. Même nous, nous savons mieux nous exprimer plus que vous. Que ce soit en soussou ou en français, là. Vous ne savez rien. Il y a beaucoup de ces médias-là, ces médias que je vous parle là, beaucoup de ces médias, moi, m'ont contacté pour travailler dans leurs médias télévisés. Je les ai dit non, parce que mon Facebook est plus suivi que ta télé. Comment moi, je vais aller travailler dans ta télé pourrie là-bas? Beaucoup, je suis en train de le dire là. J'ai les mails. Si vous sortez là pour raconter gna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 gn